amis, on se retrouve pour l'épisode 1 sur les éleveurs belges en compagnie du gamer belge. Salut à vous. Salut à moi. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode en multi. Donc là, on avait déjà nourri les porcs parce qu'il faut savoir qu'on a déjà tourné cette vidéo. Mais bon, tout le monde a crash, donc là on la retourne. Donc on est qu'à deux et c'est parti. Donc là, on va nourrir les moutons. Donc on est parti en RP. Tu me suis avec le godet là? Alors, c'est parti. T'es là? Bali? Attends. Bali? Allô? Ah, mais... pourtant il est là. Mais oui, il est là. Moi. Ah, mais voilà, moi je t'entends là. Tu m'entends là? Ouais. Ah, et des fois tu cours. Là. Ouais, là je t'entends. Ah, maintenant. Bah oui. Vas-y, parle un coup là. Ah. Vas-y, reste comme ça, là, bouge plus. J'aurais du mal de bouger, je suis assis. D'accord, ouais, ça va. Bouge plus à rien, je crois. Allez, c'est parti, les amis. Donc, on est en RP. Tu sais, ils sont où les moutons là? Et t'as des problèmes, hein, là je t'entends. Je sais pas, je comprends pas. Moi, ça ah ben là je t'entends, mais il y a des fois je t'entends pas. Il y a 5 minutes quand ils étaient pas prêts à tourner, tout marchait bien. Bah là je t'entends. Écoute. Hop. Allô. Hop, c'est parti. Je me suis là. Pas bien, moi non. Bah là je t'entends moyen. Faut au pire faire un déco reco. Attends là, je sais pourquoi. Ah bah vas-y. J'entends très bien là, je parie. Ouais. Ah bah attends, c'est parce qu'il y a le son de retruck et mon PC. Et... De retruck, de farming. Oui, excuse-moi, voilà. In farming. Et voilà. Là, c'est parfait, je parie. Ouais, c'est bon. Normal, c'est. Ouais, je sais c'est quoi. Bon ben les amis, cette fois-ci, pour la troisième fois, on est parti en RP. Bon, t'aurais pu m'attendre, hein. Ah ouais, mais tu fais du combien avec ton jeté? 45, mais j'ai dû retourner sur Windows. Ah ouais, c'est vrai. Mais en fait, je sais même pas, ils sont où les moutons? Ah, ils sont là-bas. Bon, on y approche. Petit clignotant, parti. Donc, ce que je vais faire, hein, je vais aller demander une moisse batte. Est-ce qu'on peut rouler à 80, mais je fais que 40, hein, moi. Je vais pendant 80, hein, je vais moi, je monte à 40. Parce que je vais faire, je gaz, comme ça, je peux arriver avant toi et je vais aller vite chez eux et demander une... Ah, au pire, je leur téléphone, hein. Vu qu'on est déjà parti avec ton tracteur. Ouais, tu vas passer un coup de fil, comme ça, ça va nous rejoindre. Ouais, attends, gros, je mets. Appel. Ouais. L'été, il y a une fois. Eh, c'est pas la même chose. Eh, les amis, il faudrait qu'on fasse ça, on est deux dans. Bah, normalement, il doit avoir. Troisième, mais. Ouais, il doit avoir un troisième. Il ouais. Y a pas l'ancillage dans celui-là, mon gars. Non, mais c'est pas grave, on met pas. On met que. What? Non mais oh, what ouais. J'ai un problème. Quoi? Bah je sais pas, à mon avis t'as dû donner à manger à qui pas parce que j'ai plus de mélange dans mon truc. Ah bah non, ça crash avant que... Ouais, bah c'est vrai. Bah écoute, on peut se retaper la route donc. On a gagné un voyage. Ouais. Donc attends, je vais aller voir chez eux pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Ah vas-y. Allez, tout à l'heure. Débattu. Ok, ouais. Ouais, allô? Oui, allô? Oui, dis, je t'appelle, je suis bien à l'ETA là. Oui, c'est ça. Oui. Je t'appelle pour savoir si tu as une moissonneuse de livres. Alors, attends, je vais voir ça. Alors, oui, t'as de la chance, j'ai deux moissonneuses de livres. Là, normalement, j'aurais dû avoir deux moissonneuses qui partent pour un chantier, mais le client a annulé. Donc, oui, j'ai une 1090 et une T590. Dis-moi ce qu'il te faudrait. Une TC5, alors, niveau prix, hein, parce que au niveau champ, on n'est pas trop grand, donc... Ouais, c'est pas des trop grands champs. En fait, c'est vous qui avez repris la ferme. Ouais, ça fait 2 ans qu'on l'a en fait. Donc... Ouais, parce que je viens d'apprendre ça, là, je n'étais même pas au courant. Ouais. Donc, bah, bienvenue chez nous. Hein, ouais, voilà. Bah, ça marche. Ça marche. Bah écoute, est-ce que t'en as besoin pour quand? Bah je sais pas, hein. Moi, plus vite possible. Donc... Ok, parce que là, ça tombe bien, là, j'ai du temps de libre, donc là, je peux te la livrer d'ici 15 minutes. Oh, mais ça marche. Ouais, par contre, il faut barre de coupe avec? Ouais, tout, hein, parce qu'on a rien. Ouais, tu la loues avec chauffeur ou sans chauffeur?
Ouais, non, avec chauffeur, parce que ici on est. Tu la On est vois avec quatre. chauffeur? Ouais. Ok. T'as des bennes? Ouais, j'en ai une. Ok, ça marche. Du coup, je vais t'envoyer. Je crois que c'est moi qui va venir te la livrer en fait. Hein. Donc voilà. Par contre, comme tu es mon premier client, je t'offre la benne avec chauffeur. Ok, bah merci à toi alors, ça va, Donc nickel. voilà. Je te la ramène directement sur le portant à la ferme ou à la parcelle. Ouais. Et puis on a revoit niveau prix de la location alors après. Oui, bon, on verra ça après quand le chantier finit. Donc je te Ouais. la livre À la ferme. à la ferme. Ok, Ouais, ça marche. ça Donc va. on est là dans 15 minutes. Ok, merci. Allez, à plus. Allez, à plus, à plus. Ouais, re. Ouais, il y a Jouon qui va nous appeler. Ok, ça Allô, marche. allô? Ah bah il est là d'ailleurs. Allô, allô, le Allô? père Margarine. Oui, Oui. ici la ferme des cochons. Oui, la ferme des cochons, je suis bien là-bas. Ouais. Par contre Oui. là, ah, t'as foutu le godet en l'air, c'est foutu. Donc, Attends, je vais appeler une autre. voilà. Donc, c'était Regarde un juste peu. pour savoir si vous aurez un petit cultivateur à nous prêter. Non, on n'a pas de cultivateur chez nous. Ok, bon, bah tant pis, je vais appeler le TA alors. Ouais, ça marche. Ça va, Allez, chef? bonne Ouais. journée à vous. Ouais, bonne journée. Par contre, attends, Aliam, je vais faire une petite vérification du godet là, parce que. Moi, j'ai vérifié, il a rien. Ouais, bon, mais il y a juste un peu l'écriture, comme ouais, bah bon, ça va, il est encore fonctionnel. Il est juste un peu plié, mais bon, ça va encore. Chef, vous doublez aussi comme ça, Ah chef, c'est quoi ça? Chef, oui. je Parti. veux bien, moi, mais. Donc, il nous livre la TC5 d'ici 15 minutes et avec la barre de coupe. Et en plus, tu sais ce qu'il nous offre? Il nous offre le chauffeur avec. Ah, mais il fait quoi, lui, chez nous, là? Quoi, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Un jouon, il est à la ferme. Ah, ouais, parce qu'il était déjà venu pour chercher un des chômeurs, je crois. Ah ouais, donc il est venu, l'arrière-garde va demander, Parce lui. que c'est son Ursus. Hein. Ah ouais, je sais ce que je veux Ouais, dire. par contre, les amis, hors RP, c'est normal que j'ai 0 euros. Hein. Je voulais juste. Eh, mais Parce... c'est pas chez nous, ici. Non! On reprend le RP. Dis-moi, mais c'est pas chez nous, ici. Désolé, les amis. Ouh! Bon, allez, on reprend le RP. Donc, en RP, donc, je disais, c'est normal que. On n'a pas 20, on n'a pas. Normalement, on devrait avoir 20 000 euros, mais bon. Vu que. Qu'il a oublié, il a sûrement oublié. Donc. Oh là là. Donc, on reprend le Ah RP. non, moi j'ai 1320 euros. Oh, bah, moi, je savais. Hein. Allez, on reprend le RP. Donc, ouais. Bah, écoute, au pire, je passerai pour voir si la prairie est clôturée. Je passerai par la prairie, voir le raccourci. Hein, parce que. Ouais, chef, parce que moi j'ai plus quasiment. Ah si, j'ai de la semence, merde. Oh, moi ça va, bah, j'ai fait le plein avant de partir. Donc, Ah, mais il y a une route en fait ici. Hop. Waouh, piqué. Attends, je t'ouvre. Chef, vous avez plié le panneau, chef. Attends, est-ce que ça braque là? Ah, oh, ça braque pas. Attends, attends, attends. Je me suis Eh, pas tu trop vas parce aller que. où, chef? Il faut faire demi-tour. Eh, mais tu fais ça, chef! Eh, Ben, mais moi j'ai mélangé son qui en fait il y a les plaquettes de frein qui sont mortes. Mais fais gaffe hein. fais gaffe, je connais pas le chemin, Non mais en moi, fait tu. il y a les ma enfin Gamer Belge, il y a les plaquettes de frein que papa à mon avis il a oublié de me les remettre donc Où ça fait là? faudrait qu'on révise tout ça. Hein? Pas trop de colis, où ça Mais fait là? putain, moi je suis en train de me bourrer de nouveau de route. Oh là 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 là, les amis, ça commence là. Faut qu'on fait demi-tour là! Les gars, on va jamais retrouver ce qu'on a vu, c'est nous! Dans le cinquième épisode, on trouve encore un bon, hein! même temps, Regarde le. Moi, je filme pas, ça serait beau à voir, et tu sors de la route comme ça, sous aucun signe de temps! Demande le patron, ouais, qui débarque! C'est même temps, normal! on vient d'emménager il y a juste 2 ans, donc ouais. Il y a juste des gens, hein. Dans 8 ans, c'est parce qu'on habite, vous en faites pas. Dans 8 ans, ça ira. Attends, je vois qu'ils sont occupés à moissonner le colza ici. Ça me fait chier parce que tu vois, j'aurais bien été prendre la DC5 chez eux, mais ils sont moins chers, tu vois, que le T1. Mais bon, après, vu qu'ils étaient occupés, je suis obligé de la prendre chez le T1. Donc. On va leur voler, vu qu'on est perdu, de toute façon. Attends, là-bas, il faut prendre la gauche, ça c'est sûr. Mais je me rappelle d'avoir vu du maïs aussi, non. Votre écoutez, il y avait deux champs de maïs, un champ d'or, c'est à droite. Donc là, c'est ici à gauche, on va passer devant Martine, ça va, je reconnais la maison de Martine. Ouais, tu reconnais ta mère, Martine. Ah Ah oh, ouais. Ah là, mec, nous, toi, c'est. ouais. Normal.
Et lui alors il freine, fait pas comme tout le monde, hein. Freiner progressivement, lui il pile. Torne. Viens mettre le pied au flash. Hein. Décaution, moi j'arrive bien mort à la patois. C'est très bien fait, vous le faites moitié prix, oui. Bravo conduit. La barre du coupe. Hein? Oui, bah oui, la barre du coupe Baptiste. Ah oui, Baptiste, d'accord. Mais en fait, vous comprenez. On reconnaît le tournant, allons, c'est chez nous. Ouais. Donc ici niveau champ. Merde, il faut encore que je regarde. Il faut que tu m'expliques, les motos en productivité, on leur a encore rien donné. Non mais faut que tu me remplisses, après il faut qu'on aille au BGA, il faut qu'on re-aille au mouton, d'accord? Donc ils m'ont fait une promo, je te l'ai dit, hein, ils louent le chauffeur gratos et tout, on peut en profiter. Hein. Ouais, donc nickel. What? Attention, je me décale un peu parce que sinon tu vas me prendre dans le jeteur. Non, non, t'inquiète. Vas-y, je relance. Je me mets là comme ça. Donc attends, je vais regarder si je le vois arriver. Ah, bah ils. Ah non, ça c'est Jijouan. Ah, ils sont en train de les charger là-bas, je vois en haut, donc ils vont bientôt arriver. Allez! Mets-toi là déjà! Là, ah, ça va, et t'as pas ton. T'as pas... Attends. Je vais me mettre là, j'arrive. Mets-toi face de moi à travers. Ouais, juste, il faudrait que je demande d'avoir une tronçon un jour pour couper ce putain d'arbre de merde. Et un petit broyeur. Ouais. Vas-y, essaye. Okay. Enfin, j'avance encore un peu si tu veux. Il n'y a pas de truc pour vendre le bois ici. Hein. Le je pense pas. Non. Bah écoutez, regardez, bon, ça va encore le relevage. Heureusement, tu l'as juste frôlé parce que. Non, non, je sais ce que je fais, t'inquiète, je connais moi, chef. Maintenant, ouais. Chef, regarde bien ma manip que je vais te faire ici, chef. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'on a là-bas, je crois. Attends, chef, parce que moi aussi, je vais casser une palle en deux. Hein. Je dois pas les faire tomber, je dois simplement les faire redescendre. Donc il faudra, ouais. Ben, est-ce qu'on va faire? Je crois que aussi, t'avais raison. On va revendre la pailleuse et on va se racheter une cuve à eau. Et ouais, parce que les cochons, leur fort de l'eau, sinon ils vont jamais produire. Hein. Ouais, waouh, putain, non, voilà, stop. Tu fais peur, toi, des fois. Tu m'as déjà mis une botte de foin là. Ouais, t'inquiète, mais si tu as juste sorti ça, ouais, bon, ouais. Oh, t'as de la chance, t'as eu l'arbre là derrière. Ben oui, mais je sais pas pourquoi il rote plus le pied. Non, mais c'est. T'as bu toi, c'est pas possible, donne-moi le jeteur. Eh, patron, c'est le pied qui rote plus. Il rote plus dans le cul. Ouais, ouais. Mets-le là, Pansiline. Attends. Vas-y. Par contre, je prendrais une balle de pailleux comme qu'il faut en mettre une. Hein. Non. Faut... Ouais, il parle de moi, le patron, je te le dis. Ouais, oui, bah oui. Bah putain, t'as poussé, attends. Bah oui. C'est chiant, hein. T'avais fait gaffe parce que la botte de paille, t'as vu comment elle tient à l'arc, là. Elle tient à l'arc. Et en même temps, c'est quoi cet ouvrier qui met pas de masse au jeteur, là, bordel? Bah oui. Vas-y, touche la tête, vas-y. Faut plus rien, là. T'inquiète plus de rien. What? Oh putain, je préfère me retourner. Oh putain, c'est pire. Ah quoi, le balou, il pèse une tonne là. Putain, il a posé le ballon, mon gars. Bah putain. Il récupère comment ça maintenant? Mais t'inquiète, je vais réussir. Merde. Bon, les amis, hein. Hop. Ouais, c'est pas grave, hein. On va se démerder comme ça. Ils arrivent pas les cocos là. Je sais pas, mais regarde si tu les vois arriver parce que j'aimerais bien avoir mon asthme parce que niveau productivité là. Il y en a un qui est au 29, c'est tout. Puis je les appelle. Ouais, bah vas-y, essaye. On va rigoler ici. T'es là? Ouais, attends, je suis là. On va les appeler. Attends, on a dit 20 secondes, c'est ça qu'on m'avait dit. Ouais. Attends, parce que moi j'arrive pas. Bah, j'arrive, hein, patron. Ouais, vas-y. On va s'occuper avec la balle. Hop. Voilà. Hop.
Ah, le coq. Oh, bah écoute, hein. Je veux dire à Gamer qu'on a du coq à midi. Ouais, j'ai 14h42. Pas sûr d'avoir rien fait. Bon, il revient ou quoi? Pas du tout. Ah. Ils ont eu une panne de camion et ils viennent de repartir, ça dure 10 minutes. Ok, ça marche. Bah écoute, on a du coq à midi et je viens de l'écraser. Non, pas mon Willy. Viens, tu me suis, on va au BGA chercher du maïs. T'as tué mon Willy. C'était Ah mon ben ça Willy. va, je les vois arriver de là-bas. Non, mais c'était mon Willy. Ouais, ben est-ce que je vais faire Liam? Pour les attendre, on dit où il doit aller sur quel champ pour aller travailler. Ouais, ouais, ben Vous êtes une benne ou je pas? regarde un peu. Non, il m'a flabène, je crois, mec. Ah, c'est ce que j'ai compris quand ils m'ont téléphoné là. Oh, attends, je vais regarder parce que niveau champ. Ouais, en fait, ça. À côté de chez nous, en fait, on n'a pas de champ. Non mais patron, vu que c'est offert, faites-le faire le plus grand. Hein. Vu que c'est offert, profitez. Hein. Pas patron. Ah, si c'est Attends, offert. attends. Je vais lui. Je veux dire. Appel ETA. Hop. Au pire, ils arrivent, patron. Ouais, mais il faut que je leur dise d'aller vers le champ numéro 20. Ok, donc on se rejoint au 20. Non, toi tu vas au BGA 1,5. Ok. Attends, je vois ce qu'il est parce que je ne le vois pas. Le BG 1,5. C'est où, patron? Tu vois à droite, à côté du champ bâtir. Bah, c'est ça que vous m'avez dit. Ouais, je le vois, je Ouais. le vois. Bon, je fonce, hein. Hop, je vais vous doubler, patron. Oh mais le seul souci c'est qu'ils arrivent, hein. Ah mais je dois pas aller là, moi, vous m'avez dit. Si, oui, mais il me dit que le canal est perturbé, donc je peux pas aller, mais il faut que j'attende un peu, mais bon. Moi c'est ce souci c'est qu'ils arrivent, donc après c'est de leur faute, hein. J'ai rien dit après si. Je voulais leur Après, dire, mais bon. là, j'ai se démerder Ouais, tout seul. ici l'électro, mon gars. Ou Oh, par j'allais aller à fond de balle, mais bon. la parcelle d'air parce que je trouve Ah pas. mais et c'est toi encore l'ouvrier qui a essayé de hurler maintenant en plein milieu? Non, non, c'était l'ancien ouvrier. Ouais, d'accord. Oh Pas venu, putain, pas ce venu. champ de merde là, putain. Il y a la route. Ouais, il y a la route. Ouais, bah au pire, hein, parcelle 15. Ouais, bon, Je bah vais écoute. obliger. Moi, je vais essayer de couper au cou. Pire, je vais leur écraser un peu, mais bon, tant pis, hein. Écoute. On va essayer de raser la truc. Ouais, écoute, au pire, c'est pas grave. Hein. J'ai pris la 14, chef. C'est bon. Moi, je suis en train. J'essaye de Ça. pas. Oh, les rétros, putain de bordel. Moi, j'essaye de pas trop leur écraser. Je suis en train d'écraser un peu de blé chez eux. Bon, soit, c'est pas grave. Moi je suis passé par chez Jouron, c'est plus facile pour l'OBG. Ah, c'est parti. Non, Voilà. Ça va, t'es bon là, toi? ouais, chef. Bon, j'arrive. Bah, on aurait dû faire un convoi, chef, je vous l'avais dit. Oh, ouais, mais ils arrivent. Merde alors. Faut que je leur Aïe. dis. Ouais, bon, attends, je vais mettre Eu qui appel. t'a retard. C'est eux qui ont une panne, c'est pas de notre faute. Ils vont nous téléphoner, Merci. on va leur dire ce que votre matériel aille. Et voilà. Et après, quand la benne sera pleine, ils vont nous téléphoner, on leur dira s'ils doivent en faire, patron. Ouais, t'as raison. Bah écoute, moi je vais quand même aller. Voilà, patron, moi je suis au BGA, je Allez, bah, attends, j'arrive. ont pété, ils en ont pété, je sais pas combien là. Ouais, Alors, allô? Attends, je te rappelle, j'ai la ferme wallonnaise qui m'appelle. Ouais, ok, ça marche. À toute. Ouais, tout. Oui, allô. Ouais, dis, ouais, j'ai voulu t'appeler tout à l'heure, mais le canal était perturbé. Tu peux Oui. aller au point pour pas faire un détour jusqu'à ma ferme, tu peux direct aller au champ 20. Au champ 20, parce que là, on est déjà à votre ferme. Ah ben oui, mais c'est tout droit. Tu continues et normalement tu vas arriver au champ. Donc D'accord, ça marche. c'était pour aller par là, d'accord? D'accord, ça marche, pas de soucis. Ok, ça marche, allez. Allez, salut. Ouais, salut. Ouais. Ouais. C'est bon, ils vont aller directement au champ 20. What, c'est quoi ces chemins de brin? Ah ouais, c'est chez Jouon ici. On est obligé d'aller par là. Bon, je voulais faire un petit coucou. Ah, mais il n'y a personne chez eux. Ils sont tous partis travailler. Ouais. Alors, ils font semblant de travailler, ils sont cachés, je crois. Ils sont blancs, je pense pas. T'es déjà au BGA, toi? Ouais, je vous attends, moi. Ah, bah, j'arrive. J'attends déjà là-bas. Hop, c'est parti.
Ouais, beau paysage. Hein. Donc ils vont. Bah en plus, j'ai vu que c'est gratos, t'avais raison, j'ai fait moissonner le plus gros champ. Le champ 20 alors. Regarde un coup le champ 20, il est en quoi s'il te plaît? Le champ 20, ouais. Regardez dans lui tout de suite. Attends, ça. Alors. T'as trouvé? Attends, je cherche mon dossier en fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Eh oui, ça c'est quoi les cons, hein, ça c'est quoi les têtes? Bon, attends, je vais regarder sur le i. Oups. Au pire, c'est pas grave, je vais le remettre. Ah. Sur le i, apparemment, il me montre. Ah Alors. si. Attends, le 20, le 20. Oh, au pire, je vais regarder, vas-y, cherche. Non, donne-le, je t'ailleurs, je vais charger. Un coup. Merci. 20, c'est. C'est là en bas à droite. Oh, chez Ah, Willy, il y a Jouan qui va nous appeler. c'est du blé. Oh, il faut. Eh, hey, dis-leur qu'il faut pas presser l'ordin. Je vais le remettre. Attends, je vais le remettre. Mais écris-leur, toi. J'ai vu appel cochon. Attends, on va nous appeler. Ouais. Allô, allô? Ouais. Oui, les fermiers bovins à l'appareil. Oui, si, Donc, il y a une ferme de cochon, ouais. tout simplement, c'était juste pour vous demander, est-ce que vous n'aurez pas pris un petit peu d'ensilage chez nous? Non, pas du tout. On est au BGA 1, c'est pas, c'est BGA tout le monde, là, donc. Ah, d'accord. Comme je vous ai vu ar vous Oui, arrêter vers. ben, on a dû passer par chez vous pour venir jusqu'ici, donc. Ah oui, d'accord. C'était juste pour être sûr, comme sinon, je voilà quoi. Ouais, Voilà. hors RP, jouons, on prend dans le BGA, donc vous allez laguer comme des porcs. Ouais, ok, pas de soucis. Ah, ça marche. Vous êtes en train de piquer dedans là, Ben, non? là, ouais. Ouais, bah j'y sens. Ah, ça marche. Bon, allez, donc voilà, on n'est pas passé par. Enfin, on a dû passer, mais on n'a pas pris, vous inquiétez pas. Non, non, mais c'était juste pour savoir, hein, de toute façon. Ouais, ça marche. Allez, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ouais, merci à vous aussi. Là, les rendements sont parfaits, faut plus retoucher, patron. T'as combien de la mélangeuse? 64%, mais alors, si tu mets encore un godet, patron, on va être en dessous de la, on va être en dessous de la. Ouais, mais c'est pas grave ça. Si, c'est grave, hein, t'as moins de rendement. Hein. Ouais, bah bon. On va mettre deux de paille, une de foin et le réseau c'est là, ok? Bah, on va attendre, on va voir. Voilà, je le vois, dès qu'il va mettre, on va dépasser. Bah, c'est pas juste un peu. Mais c'est à la limite là, vraiment. Voilà. Stop, stop, ne mets plus rien. Bah, je mets plus rien. Bah, on peut aller au mouton. Parti. Et Prends t'as combien la mélangeuse? 24%. Au pire, on repasse par notre ferme, on remet une botte. Bah, Bah de oui. toute façon, c'est notre trajet, donc on va repasser par là, de toute façon. Vaut mieux, patron, il vaut mieux parce que là, s'il ne me plaît pas le mélange, il me plaît vraiment pas. Attendez, Ça patron, marche. je vais fermer ça ici. On aurait dû mettre une masse au steyr. Allô, allô. Ah oui. Allô, allô, ici la ferme des cochons. Oui, bonjour, c'est le TA là, je vous appelle parce que l'on vient d'arriver au champ là. Est-ce que quelqu'un pourrait venir pour nous dire quel est vraiment le champ? Parce qu'en fait il y en a deux de chaque côté et pas que je fasse une erreur. Deux de chaque côté. Le champ 20, bien sûr. Mais le champ 20, tu sais, il y a une entrée normalement. Champ 20. Bah attendez, vas-y Liam, je vais un peu leur expliquer, j'arrive, j'arrive. Ah, vas-y, moi je rentre à la ferme de toute façon. Ouais. Ok, donc allez, à tout à l'heure. Je vous rappelle après. Bon, je suis à 20, t'es tout près, toi. Bah oui, c'est ça que j'y vais. Bon, moi je remonte par chez Baptiste. Ah ouais, ici on. Wow, beau, belle vache. Ah ouais, il y a de la belle viande ici, hein, Liam, putain. Ah bah, parce que je chez mes steaks pour le barbecue, chef. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah merde, c'est pas là. Ah, je vois des collègues au 25 ici. Attends, je vais aller Oh, chez eux. Oui, c'est le champ là. Ok, ça marche, pas de Derrière soucis. vous. Ça marche? Ok, pas de soucis. Allez, bonne continuation. Allez, merci à vous. Et. Ouais. T'es là? Ouais, je suis là, je Ah. tape un message. C'est les collègues. Quoi, ils sont là, les collègues? Ouais, ils sont chauvettes, hein. Ah, d'accord.
Bah écoute, je repasse. Ah, Alors. Bah. Ah ouais, ils sont au champ 25, mais j'ai repassé devant eux. Ramène une benne. ah, c'est pas pour nous, ça. Si, c'est pour nous. Pour nous, ça t'es sûr? Bah oui, il est en train de mentionner pour nous. Il a dit quoi? Ramène Amène une une benne. benne et laisse la barre de coupe ici. C'est pour Une ça la barre de barre de coupe. coupe. Ah oui, il faut que je ramène. Eh, ça passe tranquille avec un mélangeur ici. Ouais. Donc, ce que je vais faire, Liam, je te ramène le Steyr et qu'est-ce que tu fais? Ah, ILS. Mais quoi? Le tropicou klaxon pour dire bonjour. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, en tout cas, ça c'est pas Non, lui mais qui c'est l'a pas dit. LS, hein, c'est un séjour là. Et qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, lui? Il est parti prendre un truc chez nous. Et toi, tu fais quoi, ouvrier là? Et je suis chez nous, là. Chez nous, c'est de l'autre côté. Et franchement, Comment tu me ça? cours vraiment, hein, toi? Comment ça, de l'autre côté? Attends-moi, alors bouge pas, je ne sais plus où je dois aller. Je vais vers le 25, alors. C'est vers le. À côté du 13. Écoute, moi, je vais essayer de couper au court par ici, un coup. Comme Dans le ça. 14, Ah, oh, nickel. Ouais, bah ah, écoute. c'est bon, je sais où. Écoutez, écoute, ouvrier, tu peux passer, essayer de passer à travers. Écoute, j'y écrase un peu, mais bon, ils y verront pas. Et où. Parce que sinon, je suis obligé de me taper le détour et le mazout est pas pour rien de ces temps-ci, donc. Ah putain, je suis bloqué derrière une moisse batte, sa mère. Oh là là, tu fais. Au pire, t'as le temps parce que moi, je vais aller chercher une benne. Donc, il fallait que j'aille à droite parce que sinon, je vais encore écraser beaucoup. Ah, j'ai essayé de doubler, mais ça va être chaud, hein, patron. Hein, c'est vraiment mieux au milieu. Ah, bah écoute. Ah, ça va, j'ai une fenêtre là, j'ai une fenêtre. Vas-y, essaye de doubler. Ce que je vais faire, je vais Ouais. lui amener le Rayman et C'est avec la bon, c'est benne. passé. Donc je vais marquer OK, j'arrive. C'est bon, chef, je suis passé. Non, je dois faire... ouais, moi je dois faire un long détour, chef. Hein. Désolé, mais. Tu me vois? Ah, ben voilà, je suis Martine, je connais ça. Oh, mais t'es passé par là, toi. Ouais, je connais Martine, Au moins, j'ai t'inquiète. tapé un truc au cou. Hein. Ne dira rien, Martine, c'est une coquine. Hein. Ils sont toujours Je en train de sais. battre là? Oui, Alès il est en. Enfin, le terre est en train de battre. Ah, il y a corps de pomme, il y a corps de pomme de terre. Tu peux plus mettre au cochon des pommes de terre. Ben c'est full elle hein. Ah, Les bah cochons écoute, sont full. bah, je vais aller leur maner parce que moi j'ai besoin de la benne. Donc, Ben va le remettre dans le silo parce que les cochons sont full. Ouais, ok, ça Ben marche. avant tu vas me remettre une bonne maintenant comme ça on va partir Ouais, au ça mouton. marche. Attends là je suis en 13 donc ma ferme elle est là-bas. Ça marche, ça marche. Oh, je vide ma benne et Le puis. champ 13 c'est à qui? Pas nous? Non, c'est pas nous. Je ne crois pas. Attends, je regarde. Non, c'est pas nous, je crois. Bon, je vais me mettre de façon que vous auriez passé le patron pour chercher la balle parce Ouais, que ça marche. sinon. Bah écoute, écoute, moi je suis occupé avec le Riemann. Ouais, je te vois là, je pouvoir pas trop manœuvrer là donc. Oh là là, c'était un casse. Ouh là là, ouh, patron, vous faites pas trop manœuvrer. La direction! Ah, la jointe, elle n'a rien. Eh ben, vous avez eu chaud, hein? La chance, là. Heureusement, vous m'avez tapé, mais le Oh Riemann, il a de la putain, je direction. l'ai. J'ai griffé ça, mais. Bah ouais, hein. En plus, tout est d'occas sauf le Riemann, quoi. Ouais, ce tout nouveau connage, je me casse, moi. Bien. Mais Vas-y, par contre, patron. mettez-le vous-même, alors, parce que moi, il a besoin absolument d'une benne, donc. Ça Ouais, marche? mais par contre, patron, il faut acheter une tonne à eau, là, parce que là, les cochons, ils vont rire de soif, hein. Ouais, ben, bah, je vais lui amener la benne et je vais aller lui parler de ça, ok. Ouais, parce que là, les cochons, ils ont la lampe qui pend, hein. Oh putain, les putains de Donc. trous de sa mère là, ici. Attention aux essuies, chef, parce que je connais. Ah ouais, c'est ça quoi. En plus, la fly eagle, là, j'étais pas trop content d'avoir cette benne, mais bon, il n'avait pas d'autre choix donc. Ah, ça, c'est. J'aimerais bien qu'il ait quand même du choix par après dans son magasin, Ouais, parce ouais. que. Et tu sais, on aurait dû venir plus tôt dans cet environnement-là, parce que ici, on a la ferme, mais on est obligé de couper des fois. Moi, j'écrase un peu de culture chez eux. Bon, au pire, ils y verront du feu, mais bon. Après, je suis obligé, parce que sinon, je suis obligé de me taper toute la route. Mais bon, je suis pressé, donc. Bah moi je passe par les autodidactes, chef, je vous l'ai déjà dit. Il y a des autodidactes partout ici, vous passez par là, ils diront rien. Ah, ils ont fini ou quoi? Déjà, possible, déjà je suis en 20, t'es plus grand. Ah ouais. Foxy. Ou Bon alors voilà, ils ont. chef, moi je. Ouais, ou alors ils ont une panne, comme je comprends. Encore?
Ah, je sais pas. Pour YouTube, ça va pas, elle a une mauvaise réputation sur la TA. Ah, mais c'est quoi de son. J'ai loué une TC, c'est vrai qu'il a déjà fini ou c'est moi? Ah, s'il a fini, tant mieux. T'es en panne, putain, encore quoi. C'est pas possible, là, la barre de coupe. Mais ou alors. Ah non, il est en panne, j'ai. On va mettre le tracteur à l'abri parce que s'il tombe une pluie, il faut quand même le préserver, celui-ci. Et il a fait un tour de champ, il est déjà en panne du tout, moi ou quoi? Ou c'est moi qui déconne? Attends, je vais mettre. Attends, je vais aller leur téléphoner un coup parce que. Non, ouais, ouais, s'ils sont trop souvent en panne là. Bah écoute, c'est pour ça qu'il fallait la masse battre de la ferme voisine, mais bon, après ils sont occupés donc. Ah, patron, par contre, on est. Ah non, il est là-bas. Il a l'arrêt par contre. Bon, bah écoute, je vais aller voir pour ça. Ouais, je vais voir, et si après on va nourrir nos moutons. Ouais, j'arrive. Juste le. Oui. Oui, allô. Oui, je vois que la. Ah non, ça va. Vous travaillez bien. Oui, bah. Merci. Hein. Donc la benne est là, je viens de vous l'amener. Ok, ça marche, pas de soucis. Par contre, ne regardez pas niveau des champs. J'ai juste dû faire une. Enfin, j'ai juste écrasé 2-3. Allez, 2-3 graines comme ça, enfin, 2-3 trucs de moisson parce que sinon je vais me taper toute la route et vu que j'étais pressé. Donc... Ouais, ouais, ça marche. Hein. Par contre, je dois quand même vous dire, vous avez une perte de grains quand même de 2%. Ah ouais? Et il y a combien de taux d'humidité là? Là nous sommes à. Là nous on est bon, là on est à 13 là. Ouais bah écoutez, on va sonner comme ça, hein. Puis on aurait quand même du rendement donc ça marche. Ouais, donc il est un peu humide mais bon ça va, c'est pas non plus alarmant. Ouais ça marche. Aussi je voulais vous parler mon sous-chef il me dit comme ça, oui bah, les cochons là ils ont soif là donc ce serait bien qu'on achète une tonne à roue là. Ok, ouais. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous téléphoniez à mon expert comptable, papa, ouais, donc voilà, on appelle comme ça sur son nom. Donc soit vous allez le voir directement à l'ETA, ou soit vous lui téléphonez directement, c'est comme vous le souhaitez, et lui, il verra s'il peut vous en lâcher une, en parlant vulgairement, et donc vous en avoir une auprès de notre ami concessionnaire, là. Ça va. Donc, voilà. Bah, je vais lui téléphoner comme ça, parce que je suis un peu pressé, donc... Ok, ça marche, pas de soucis. Bon, bah allez, bonne journée à vous. Oui, vous aussi. Merci. Oui, ce papa. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Et j'étais venu voir pour vous acheter, donc j'en ai parlé à votre chef, là, et il m'a dit qu'il faut aller voir le comptable pour acheter une Cuvao. Cuvao, eh ben, ce que je vais faire, ouais, je vais les appeler. Il faudrait quoi? La petite, attendez, parce que j'ai pas mon catalogue. Enfin, il faut que je prenne l'iPhone. Hop, attendez. Alors, je regarde si tout de suite. Donc, il me faudrait la Lizard à 6000 litres. La Lizard 6000 litres. Ouais. Eh ben, je les appelle, voir s'ils en ont là ou s'il faut qu'ils en commandent une. Ça marche. C'est pas tout le temps qu'ils en ont, donc. La Lizard 6000 litres, alors. Ouais, c'est celle-là, oui. Ben, vous me rappelez pour me dire s'ils en ont, comme ouais, ça je peux venir. Ouais, je vous rappelle. Je vais les appeler et je vous rappelle tout de suite. Ça marche. Comme ça, ça marche. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Ouais. Ouais, t'es revenu? Ouais, il est parti voir s'il en avait en stock. Enfin, il est parti appeler son marchand pour voir s'il en avait. Et il va me contacter pour me dire quoi. Ah, mais qu'il fasse vite parce que... Ben, c'est ça, quoi. Mais il va me dire après tout de suite, normalement. Donc, ok, parce qu'on en a besoin pour aujourd'hui, nous. Hein. Ouais. Que là, je vais aller voir les cochons, mais je crois qu'ils tirent la langue, hein. Ouais, allez voir. Au revoir, oui. Allez voir, vous. C'est pas le patron, c'est pas moi, hein. C'est ça, ouais. Je suis gouré parce que j'étais obligé de vous voyer le TA, et puis voilà. Bon, moi, je pars au mouton. Bah, le jetailleur, en fait, on en a pas besoin, hein, le mouton. Non, là, il a l'arrêt, le jetailleur. On va laisser reposer le moteur aussi, parce que... Voilà, il manque plus que ça pour qu'on rentre en activité. Bah, oui. Bah, niveau des moutons, je crois qu'on peut... Aussi, il nous faudra leur donner à boire aussi, là, parce que... Bah, il me faut vraiment ça pour votre activité, ouais, c'est quoi. C'est ça, quoi. Et allô. Ah, ben, il est là. Allô. Oui, bonjour. Je vous rappelle, c'est au sujet de la Lizard, la 6000 litres. Oui. Ouais, je les ai appelés, donc ils en ont une de dispo. Ouais, ça marche. Donc, à vous de voir. Écoute, Liam, tu peux aller la chercher hein, avec le JTR. Ouais, mais on n'a pas de prix, rien. C'est... Je m'arrangerai avec. Juste demander s'ils en avaient une de libre ou. Moi, je m'arrangerai avec le supérieur après quand j'irai payer la moisson, ça marche. Donc, je peux venir à la TA là en fait.
Non, allez directement au concessionnaire. Au concessionnaire, ouais. Ok, voilà, merci à vous. Ça marche. Je vous remercie, bonne journée, au revoir. Ouais, au revoir. Merci, au revoir. Donc nickel, hein. Donc niveau de la moisson, on va voir combien il va me demander. Hein. J'espère qu'il va me faire une réduction quand même, parce que sinon. Hein. Et le concessionnaire, il est près du LD. Hein. C'est à qui le pick-up? C'est à nous, hein, l'orange, là? Qu'est-ce qu'il faut en plein milieu du chemin? Ben, je sais pas, c'est qui l'a mis là? Oh, nous l'a peut-être emprunté. Ouais, sûrement. Pas de la signalisation. Wow, la mélangeuse là. Elle. Bah écoutez, patron, là je me dérise donc je vais tout droit là-bas. Hein. Ouais, écoute, il faudra aussi qu'on discute du prochain achat qu'on va faire. Bah, pas tout de suite parce qu'il faut vraiment qu'on ait du rendement, mais après plus tard. Ah, ouais, de toute façon, moi je dois vous reverser 1 320 euros donc. Ouais. Ouais, bah écoute, on verra bien. Donc. Ouais. Au plus vite, mais c'est vrai que c'est un peu loin de chez nous, tout ça. Après, je verrai bien un niveau dans l'iPhone, dans le catalogue. Dans l'iPhone, n'importe quoi, dans le catalogue. Bon alors, ah mais merde! Oh là là, on voit bien qu'on est installé depuis 2 ans ici, hein. Les autres ils doivent nous prendre pour des gros clampins, hein. Moi je me bouge tout le temps. Je pensais que j'étais au mouton, je sais même pas quoi arriver. Ah non, patron, là-bas c'est pas le mouton, je tiens à vous le dire. Ah non, mais t'arrives toi! Ouais, moi je reviens. Après tu donnes de l'eau alors? Ouais, je vais chercher la tonalisée déjà. Ouais. Wow! Ça va aller. Ouais, dommage qu'au mouton ils ont pas encore mis des trucs pour stocker la paille là parce que ça me fait chier de faire des allers-retours. C'est vrai que ouais. Tu rigoles quoi Donc ce qu'on va faire après, hein, je crois que ce qu'on va faire après c'est botte. Une fois qu'on aura le champ, on va mettre moins de parties, on va mettre plus au mouton, comme ça on sera tranquille. Oui, mais est-ce qu'on a aussi une pailleuse? Une pailleuse, on en a une, ouais, mais il faudrait la revendre parce que une pailleuse, c'est une balotteuse, je voulais dire. Non, une presse, il faut que j'appelle le thé en fait. Ou alors, par après, on achèterait une petite ronde. Mais ça serait fort à voir, ça. Mais ça, c'est pas maintenant. Mais je vais dire, une pailleuse, il faudrait qu'on la revende parce qu'avec la mélangeuse, j'arrive à pailler. Oui, mais de toute façon, là, on ne paille pas ni les moutons, ni les vaches, ni les cochons, donc ça va. Ouais, écoute, je suis arrivé aux vaches, aux moutons. Moi, je suis en train de remonter là. Ouais, ça marche. Moi je suis arrivé tranquillement, on va voir comment ils vont. Vous êtes au mouton là en fait. Ah bah ouais. Oups, ouvrir l'enclos, c'est parti. Avec le petit tailleur, on avance pas vite, hein. Ouais, il fait quand même du 40, il fait autant que le d'autre, ça. On a déjà une palette de laine, donc après ce que tu peux faire avec la cuve à eau, tu peux repasser avec le tailleur s'il te plaît, récupérer ça. Ah mais t'as pas mis de pince devant. Non, j'ai pas pris de thé, mais par contre, je voulais te dire qu'il faut attendre, je voulais vous en parler patron, qu'il y ait 8 caisses sur la palette. Et là on demandera à la TA où on achète pas. Non mais je crois ce qu'on va faire, on va s'acheter le tailleur, je crois qu'on va le laisser là, on va mettre un bâti de fourchoté ici, je crois. Ah ouais, ça peut être pas mal. Parce que moi je suis en train. Et moi avant, patron, dans mon exploitation, quand j'avais de l'argent. J'ai juste accroché la masse, heureusement, tu vois, t'as un truc devant donc ça lui fait pas mal. Ah oui, vous savez ce que je faisais avant, patron? Non. Ben je prenais un camion et un plateau quand j'avais de l'argent et un petit télescope, et j'allais chercher avec le télescope mes palettes de laine et je les mettais sur le plateau. Ah oui, télescope ce serait pas de refus à prendre, mais ça pas pour maintenant. Prochaine achat, je crois que ça pour l'agriculture. Voilà, vous t'allez barrer ici. Je sais pas, et on peut pas vider ici, hein. Maintenant on doit vider de l'autre côté, moi je me prends comme un pied de. Vous aider. Ah. Ouais, aussi je crois qu'il faut leur donner à boire ici parce qu'ils commencent à crever de soif. Donc dès que tu repasses avec la cuve, tu peux pas aller demander chez les œufs si. Attends, je vais demander à l'ETA s'ils ont pas un truc d'eau, comme ça tu peux revenir à plein, ça va? Ouais, parce que là je suis du magasin, je vais partir à vide, hein, moi. Ouais, ben parce que je vais leur demander. Donc attends, je vais chez eux, je leur demande. Ouais, allez-y, chef, fais pas de. Ah. Ouais, ils ont l'air sympas, hein. Ouais, ils ont l'air sympas. Oui, allô? Oui, allô. Ouais, c'était pour demander, vous n'avez pas une cuve à eau chez vous? Parce qu'en fait, il est parti la chercher, mais pour la remplir, pour venir à plein directement vidéo mouton, en fait. Vous n'avez pas de l'eau chez vous? Alors, ça, non, on n'a pas. Par contre, là, il y a mon comptable qui est avec moi dans la moissonneuse, là. Donc, oui. Il a fait le calcul. Donc, vous en avez pour 13 000 euros en tout, mais on vous fait un paiement 2 fois. Ouais, ça marche. Donc ça vous fait à peu près du 5 500 et quelques à payer dès que le champ sera fini et le reste plus tard.
Ouais, ça marche. Donc, oui, ça, je vais lui en parler. Enfin, on va discuter de ça tous les deux. Et j'allais dire, ok, il n'y en a pas là, il est obligé de se retaper chez nous en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça marche. Parce qu'en fait, nous, on a commandé aussi chez le concessionnaire une cuve à eau. Le seul souci, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée parce qu'elle vient de. Le constructeur nous fait des véhicules sur mesure, mais là, ils sont un peu en grève, entre guillemets, donc chômage technique. Donc, on ne sait pas encore quand ça va arriver. D'accord, ça marche. Ok. Ça marche. Bon, Allez, ben, à la bah, prochaine. à la prochaine. Au revoir. Ouais. Patron, je suis au magasin là, regardez ce que j'y étais, Euh, mais pas ben, très. vous, tu peux retourner, hein, parce que ils ont pas d'eau chez eux. Ah, bah oui, qu'il faut aller. Hein? Bewa, il faut aller. Pardon? C'est à Bewa qu'il faut aller pour la Tonao. Béwa. Non, Oui, magasin. il faut que tu reviennes à la ferme. Quoi? Pour charger l'eau. Ouais, mais je trouve pas le Latonao. Je suis à Bewa, au magasin, y a rien, à chef. Hein. Non, mais il faut que tu reviennes à la ferme chez nous, hein. Oui, mais pour prendre déjà l'eau, il faudrait que j'aille à Ah, ben Tonao, ils chef. en ont pas chez eux. Non, mais là, je suis au magasin, moi. Hein. Ben oui. Oui, Ah mais à oui, Tonao, pour il la fait pas. Tonao. Ah oui. Alors, Je suis à c'est juste Bewa, en moi, face du déjà. Aldi. C'est en face du Aldi parce que j'ai déjà été faire mes courses là, donc c'est juste Ta en face d'eux. gueule. Ah ben ouais, mais j'y suis. Ça, je comprends pas. En face du Lidl ou du Aldi, c'est un des deux. Regardez, ben, vous voyez le T1, c'est là en fait. Oh non, Ben c'est pas ouais, lui. ben je suis juste avant. Ben oui, j'y suis, c'est ça que je comprends pas. Normalement, il y a un petit hangar juste en face où il y a du matos cabaret. Parce que, regardez, montez dans mon tracteur, vous allez voir, j'y suis, moi je veux bien, mais à Ouais. pas ton là-haut. Attendez, je vais aller dedans. Où il est déjà votre tracteur? Mais il est là. Regarde. Ouais, vous êtes pas au bon endroit, hein. Ben j'ai fait tout l'endroit ici, y a rien. Elle partait pas où, le patron? Par ici. Tu vois, vous voyez là-bas, c'est là-bas. Vous m'avez dit le Lidl, celle-là. Ah ouais, mais ils l'ont pas acheté. Mais what? Ben oui. J'ai dit, je suis rentré des deux côtés, C'est monsieur. ici normalement qu'il m'a dit. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce TA? Je crois qu'on va devoir changer de. Bon, attends, Eh, j'ai un rappel, hein. fournisseur. Ouais, le fournisseur, je sais pas ce qu'il me fait là, moi. Je vais me mettre là-haut, moi, maintenant. Oui, il y a un problème. On a dit, Oui. vous avez dit oui, vous achetez la Tonneau, mais mon ouvrier est arrivé, il n'y a pas de Tonneau. Ah, bah attendez, je vais téléphoner au concessionnaire, je vous retéléphone juste derrière. Ouais. Ouais, il a dit qu'il allait téléphoner au concessionnaire, mais bon. Ouais, mais yo, moi je m'attends à haut, hein. Mais c'est ça, et nos ports, merde, il n'y a pas de productivité alors. C'est ça qu'il faut leur dire, hein. Il faut être plus sévère avec le chef. Hein. Moi, si je leur téléphone, je crois que je vais Ben, je faire l'aurais cramer dit, la il a dit qu'il TA. allait me recontacter, ouais, mais si ça a pété, hein. Il me recontacte après ou pas? Ah, normalement, oui, il a dit qu'il arrivait, donc. Qui passe vite, hein. Dès, si je suis pas ici, il me rappelle pas dès que je suis revenu avec la. Donc, j'ai fait même pas un truc de mélange, il me dit que c'est bon, hein, je suis dans le quota et bon, hein, au mouton, donc. Ouais, mais c'est bon ça. Mal. Ouais, par après, on va essayer de prendre un plus grand chapitre quand même, non, patron? Ouais, on va monter à 200 et puis un peu 300. Ce qu'il y Ouais. a d'emmerdant, c'est que je préfère rester au 100 moutons pour le moment, tant qu'on s'est pas agrandi pour stocker des balles. Parce que les cochons, ils sont juste à côté de chez nous, mais les moutons, il faut faire des travaux. Hein. Ouais, les moutons, ouais. Je dis, ouais, Ah, je mais. préfère m'agrandir dans les cochons. Ouais. Ah, on va nous Ouais, appeler, bah, patron. normalement, il va venir. Hop. Si vous voyez qu'il n'est pas prêt à nous la donner, patron, vous me laissez faire, vous allez voir. Ouais, ben, énerve-toi, hein. Moi je vais lui dire de toute façon, mes catégories en face. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Donc, j'ai téléphoné au concessionnaire. Donc, oui, effectivement, il y en avait bien une, sauf la dernière est partie. Donc, vous devez attendre jusqu'à demain qu'il y ait un transport, enfin, une autre commande. Bah, Ben c'est vous pas possible, rigolez. hein, et nous. Ben vous rigolez là, monsieur, Donc, là. Vous rigolez là, monsieur. bah.
Là, il n'y a pas le choix, donc... Et je donne comment à boire? Bah ouais, c'est ça, nous, niveau rendement, il n'y a pas. Je sais bien, je sais bien, donc... Tire la langue, là, mes animaux, monsieur, hein. Donc, on est vraiment... Tire la langue, monsieur, tire. Nous, on est vraiment pour rien là-dedans, sachant que, voilà, nous, on travaille avec lui. Bon, là, ce coup-là, il n'a pas dû faire attention, à mon avis, au stock qu'il aurait pu avoir. Donc, il faut juste attendre demain, essayer de voir... Il n'y a pas d'autres paysans dans le coin qui pourraient vous dépanner. Sinon. Je vais avec un collègue. Ouais, on va essayer de voir. Ouais. Mais aussi, et moi, mon ouvrier, il s'est tapé tout le chemin. Et niveau gasoil, ouais. Comment on fait, nous? Eh ben, ça, c'est à bout de charge, hein, ça ne prend pas en compte. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner ouais, monsieur, directement. Monsieur. Attendez, laissez-moi finir. Je vais. Retéléphoner au concessionnaire. Je vais essayer de lui mettre la pression pour que peut-être vous poussiez nourrir. Enfin. Surtout abreuver vos animaux avant la fin de la journée. Mais c'est pas tout. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous débloquer ça. Bon après, si ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein, ça ne sera pas de notre faute à nous. Je me suis quand même reçu un coup de téléphone de chez vous qui m'affirmait que je pouvais aller au magasin. Oui. Récupérer, je dis rien. Hein. Ouais. Oui, non, mais je sais bien. Le seul souci, c'est que nous, on ne voit pas ce qu'il a dans ses stocks. Hein. Donc, nous, on lui téléphone juste, il nous dit oui ou non. Donc, là, il nous avait dit oui. Mais à mon avis, il a du mal à regarder les stocks. Parce que là, je l'ai rappelé, il m'a dit bah, écoute, la dernière vient de partir. Elle est déjà réservée. Donc, après, je ne sais pas. Donc, écoutez, ce que l'on va faire, c'est que je vous rappelle d'ici 10 minutes. Et je vais bien voir ça, comment ça va faire. Parce que ceci, c'est ce que je voulais tout faire. Là, je voulais de moissonner et tout. Donc, ça marche. Okay. Je vois que vous êtes en rupture d'ouvrier. Là. Ouais, là, je suis un peu en rupture d'ouvrier. Là, ouais, ça marche. Donc voilà. Ouais. Donc, allez, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Eh, putain, par contre, il y a peut-être temps qu'il change de concessionnaire. Parce que... Il devrait plutôt investir chez Afelou, je te le dis, moi. Hein. Ouais, bah attends, j'allais voir chez à côté s'ils ont pas. Là. On va voir s'ils ont pas quelque chose à côté. Mais... Ouais, s'ils ont pas une petite tonne à nous prêter. Allez, comme ça. J'arrive. Oui. Oui, allô. Oui, bonjour. Vous n'avez pas une qui va où pour nous? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a téléphoné au concessionnaire, mais ce con est pas foutu de nous foutre la tonne à eau comme il faut. Donc mon ouvrier s'est tapé jusqu'au concessionnaire, mais on l'a pas de fil. Donc. Eh bien non, on a prévu d'en acheter une, mais pour le moment. Nous n'en avons pas, donc regardez avec l'entreprise, peut-être qu'ils en ont une. Ah ben j'ai regardé avec le T1, mais bon, ils nous font chier, ils nous ont dit oui, pour finir, ils en ont pas, quoi. Ils ont dit on en a en stock et ce concessionnaire, il est pas foutu de nous faire les choses correctement. Donc. Ah ouais, ben, je vais en avoir une sans... Il faut en acheter une en... Je pense d'ici demain, donc je vais en acheter une sans tarder. Ben, normalement, ils vont nous téléphoner d'ici 2 minutes, ben bon, c'est pas grave. Allez, merci quand même. Oui, allez, bonne soirée. Merci. Ouais. Ouais. Ils ont dit non, ils en ont pas. Bon, écoute, j'espère qu'il va nous téléphoner vite, hein, parce que moi, ça commence à me saouler. Bah, écoute, ouais, parce que ça commence à me faire rire, moi, dans cette histoire-là, hein. Bah, écoute, y a pas moyen de donner du mélange au cochon, hein, parce que... peut-être vider la cuisine. Le cochon, c'est juste les pommes de terre. Parce que si à chaque fois qu'on doit leur commander quelque chose qu'ils n'ont pas... Ouais, écoute. Ça va être embêtant, hein. Mm-hmm. Entre nous, chef, je ne dis rien. Ben en fait, là on est emmerdé parce que. Je regardais un peu ce qu'on peut faire, mais on est emmerdé. Bah oui, qu'on est emmerdé là, chef. Si on n'a pas la tonne à eau, on ne sait rien faire, nous. Parce que. Au pire, ce que je vais faire. Ouais, bah bon, après. Ça sera un peu emmerdant. Parce que niveau matos, il faut que. Ouais. Il faudrait que je dis. Enfin, il faudrait que je sème et que j'y pente de l'engrais, en fait. Mais. Ce que je vais faire, je vais prendre un. Prendre le New Holland et c'est parti, on n'a pas le choix. Ouais, si j'arrive à la ferme, là j'y suis. Ce que tu peux faire, c'est accrocher le semoir et venir semer derrière moi. Le semoir, ok, je le prends du T-shirt. Tu veux le T6 pour le semoir? Ouais. Prends le T6, il aura plus vite. Ouais, mais je range quand même le tracteur. Hein, non, donne le Steyr, je vais le prendre au semoir. Moi. Ah, tu le prends au semoir. L'hypandeur en vrai. Oui, allô. Ah, ben voilà. Allô. Et on a intérêt à vous dire vos 4 vérités à vous, hein, putain. Eh ben, de toute façon, j'ai eu le concessionnaire, je lui ai mis un peu la pression, de toute façon, parce que c'est pas normal. Je l'appelle tout à l'heure, il me dit que oui, et là, quand vous y allez, il y en a plus. Bien, ouais. Je lui ai dit, de toute façon, c'est simple, je lui ai laissé un quart d'heure, puis il va nous en trouver une et. Ouais, bah, je m'en remercie de vos efforts. Donc, oui. Je le rappelle dans un quart d'heure, il a un quart d'heure. Ça va, ça marche, merci à vous.
Ça marche. Allez, bonne journée à vous. Oui, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, ici, est-ce qu'on prend les graines? Écoute, là, ici derrière, là, juste à côté. Moi, il faut que je cherche pour prendre mon truc. Et on sème justement quoi, chef? Tu sèmes en blé. En orge, pardon. En orge, pas de problème, chef. Parce que moi, je trouve. Où est-ce qu'on remplit pour finir ici, moi? Je sais même plus où est-ce qu'on remplit chez moi. Ah, là, c'est derrière, chef. C'est à l'intérieur, mais t'as raison. Et vous voyez, on a plein de cultures qu'on peut poser. Ouais. Non, mais attends, c'est mon orge, hein, parce que... Ouais, mais je regardais juste, c'est moi. Ouais. Parce qu'en fait, en colza, ça va nous servir à rien, parce que... Bon, ok, ça rapporte plus cher, mais nous, il nous faut de la paille, donc... Et on doit aller à quel champ, chef? Champ numéro... Tu peux aller au champ numéro... Attends, je regarde un coup. On va au 4. Au 4? Non, mais... Non, sème du colza, parce que, ouais... De la paille, on en aura assez avec le champ là aussi, donc sème du colza. Colza? Ouais. Voilà, chef. Bon, c'est parti. Bon, moi, je te suis. Enfin, je vais passer avant toi. Non, je vais passer après toi. Oh, c'est pas grave. C'est merdant. Je pense que j'irai plus vite que vous, chef. Bah non, mais je vais passer avant toi parce que moi, j'ai une largeur plus grande. Ah bah ouais, mais je vous... Bah, de toute façon, je vais vous laisser passer. Oh, on est déjà à 5% de productivité. C'est bien avec l'iPhone, là, on peut voir. Allez-y, monsieur. Je vous ai pas vu. Oh, le godet. Mais moi, je croyais que vous allez passer sur l'autre champ, moi, chef, hein. Eh bah, je vous avais pas vu que vous êtes arrêté. J'ai pas vu que t'étais arrêté. Putain, le godet, il faudra vraiment qu'on regarde à ça parce que. Là, juste de le plier. Ah, mon drap. Un ETA, ça va nous le refaire vite fait. Ouais, bah non, mais au pire, c'est pas trop grave. On se démerde parce qu'on sert pas beaucoup du godet. Allez, c'est parti. Ouais, mais bon, on peut leur donner avant de partir dormir, hein. Et demain matin, quand on va revenir, il sera fait, hein, chef. Ouais. J'espère qu'il va nous faire ça gratuit pour la couille qu'il nous a fait aujourd'hui. Ah, y'a moyen, les chefs, vous savez. Ouais. Ouais, il prend l'arche, hein, c'est Pandore, il est bien. Ouais, 40 mètres, chef. Ouais. 40 mètres, c'est 40 mètres, hein, chef. Ça va, c'est pas trop long à cheminer, là. Ouais, chef. C'est parti. On va faire gaffe, pas des bandes chez eux, hein. Casse démerdée. Ah, ouais, ça va. On va les aider. On va les mettre bien. Il nous aide pas, chef. Dommage que j'ai pas de gyro sur le jetail. De toute façon, dans le champ, je dois les couper. Ah ouais? Ouais. Il utilisait de l'électricité pour rien. Ah ouais, c'est vrai en plus. Oups, par contre, moi je dois faire attention chez eux. Ah ouais, parce que mais chez eux. Ah non, bah c'est ça le problème, je sais. Mais ça va, c'était la culture. Ah, en fait, c'est deux champs, ouais. Ce souci, c'est que faut que je regarde si le 5 qui n'est pas en moi. Oh putain, le 5 il est pas moi, ça m'aurait bien. Je vais essayer de le racheter le 5 par plus tard parce qu'en fait, si tu veux, regarde, le champ il s'arrête ici. C'est ça qui est un peu emmerdant. Bah oui, je t'avais pas vu, chef. Bah oui, c'est pas tout ça en fait. Bah plus tard, je crois que ce qu'on va faire, je vais le racheter et refaire une partie avec la chaîne. Ah ouais, si on peut. Ah, il y a la sauvegarde. Ouais, hors RP, il y a la sauvegarde. Mais je disais, ouais, on pourrait la. Tu sais, le racheter. Oh putain, j'y pense chez eux là. Tu sais, le racheter et passer un petit coup de charrue, tu vois. Ah, bah oui. Comme ça, c'est en plus, on a une. Ah. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour. Donc, c'est bon. Dans 10 minutes, vous pouvez y aller. Ils en ont récupéré une. Ils en ont fait rappeler à trier une d'un autre concessionnaire qui avait pas été vendue. Donc, ça marche. Aussi, je voulais vous demander, c'est vous bien le réparateur, hein, aussi? Ah, oui, oui. Parce qu'en fait, sans le faire exprès, j'ai accroché l'arpe avec mon godet. Donc, c'est pour savoir si. Avec le godet. Oui. J'ai accroché l'arpe avec le godet en fait, il est légèrement plié, mais bon, rien de méchant. Ouais, c'est gênant là pour le moment. Bah non, ça, ça passe. De toute façon, on a pas trop de travail avec, on sert du pickbot donc. Ouais. On est pour faire demain midi ou. Eh ben, au pire, si ce que vous faites, vous allez à l'ETA. Ouais. Et vous le posez, ce que vous faites, vous le posez vers l'atelier. Ça marche. Hein vous le ouais, posez ben de toute façon, je vais aller récupérer mon Makuvao donc. Ouais, ok, ça marche. Eh ben, posez-le vers l'atelier en passant et puis j'y ferai quand j'aurai un moment. Ça marche. Allez, bonne journée. Bonne journée, ouais, au revoir. Enfin notre Cuvao quoi. Ah, je suis content là, patron, je vous jure que là, hein, j'avais un mot qui passe pas la nuit là. On va vite leur donner ça hein, et puis. Vous avez vu que je suis en train de semer. Je sais pas, mais je continue vite d'épandre là ici. Bah, finis le champ, chef. Y'a pas de soucis là, patron.
J'irai voir. Bon, et puis je vous laisserai votre journée. On a quand même fait des choix, votre Mona. Ouais, mais moi je veux dire après, une fois que t'as fini, tu peux. Ah, mais par contre, pas trop. T'es à bout là entre nous fertiliser. Ouais, j'ai vu ça, mais c'est bon, je suis occupé à regarder autre chose en fait. Ah, si vous regardez la femme, patron, ça va pas aider. Que veux-tu dans ce petit coin perdu qu'il y ait quelque chose ici d'intéressant? Ah, il y a toujours quelque chose d'intéressant quelque part. Ouais, ouais. Nous, le monde ne tournerait pas rond, hein. Elle dit, écoute ici, hein, des jolies femmes ici. Ouais, ici. Faut juste les trouver, c'est tout. Oh, mais ça va, et vous se mettez. Et vous se mettez qu'on lâche avec votre bordel, là. Ah, ça va trop bon. Un ouvrier comme moi. On place pas, hein. Ouais. Ça se trouve pas dans un n'importe où, hein. Dans un ETA, ça ne se trouve pas des ouvriers comme moi. Là-bas, dans les ETA, monsieur, pas trop je vous dis, moi. C'est juste des gens qui sont là pour l'argent, moi je suis là pour la passion, monsieur. Ah, ils sont toujours occupés à mentionner notre champ, donc ce qu'on fera après aussi, hein, demain, parce qu'après je vais vous laisser votre journée, vu qu'on est vendredi, donc voilà. Mais demain. Chef, c'est pas cassé. Je vous le dis, hein, chef. De quoi? Chef, que l'ETA c'est les bras cassés. Ouais, ouais, moi je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, ce que je ferai, je vous laisserai votre journée. Demain, ce qu'on fera, vu que bah, demain on aura besoin, c'est aller voir un peu l'humidité de la paille pour voir si on peut botteler demain. Moi, on appellera l'ETA et voir si on peut botteler. Ça marche. Ah, pas de problème, patron, on fera comme ça. On fera des carrés parce que des ronds c'est mort. Ah non, des ronds, j'aime pas non plus. Bah, je ferai des ronds, en foin quand j'aurai ma propre presse. En rond. Et les ronds. C'est assez long à les rentrer. Hein. Ouais, mais après, je crois que j'ai l'artisan en rond que je vais acheter. Donc, je crois que le foin, je vais le faire moi-même en rond par après. Dès que 8 balles, pas trop. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Hein. Niveau foin, je veux dire, on n'est pas non plus les rois du monde. Si, si, patron, on est la roi du monde. On est la roi de la ferme. Côté nous, les bovins, je ne comprends rien. Bah, c'est ça, quoi. Mais bon, après, on peut pas leur dire, hein. On a toujours besoin de niveau matos. Donc, après, on leur chie dessus, même. Ben oui, vous allez voir leurs 8 ans, comment on va les manger, on va les faire en 4 ans, lui. 4 ans, je vous dis, moi. Ça, hein. Hop. Nous mangeons dans la terre. Là, j'ai fini avec les pendeurs, je repars. Ok, je repars, Ben, je repars chercher, donc, déposer le godet. J'espère qu'ils vont nous faire ça gratuit et repartir chercher la cuve. Hein. Ouais. Ce qui me fait chier, c'est que je suis obligé de revenir ici, mais bon, après, c'est pas grave. Oui, si, moi, je détourne, tiens, pour plus facile. Ouais, ça marche. J'ai peur d'en accrocher une après, c'est un offre. Ouais. Et tu sais ce que j'ai vu aussi l'histoire? Il m'a expliqué sans le faire exprès. Là, le chef de l'ETA, il arrive à fond de caisse avec son 4x4, il se plante dans un piqué. Quoi, non, mais sérieusement, ah là 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 là, et bras cassés. Ça, c'est tellement pour aller vite pour aller voir Martine. Quoi. Ah là là, ils préfèrent faire ça que finir leur journée tranquille. C'est ça, quoi. Ah là là, chef, y'a que nous qui sommes des vrais dans ce village perdu là. Bon, on n'a pas arrêté encore. Non, le reste, chef, c'est pas pour travailler qu'ils sont là, c'est pour l'argent. Ouais. Nous, c'est par passion, chef. Ouais, ben c'est sûr ça. Logiquement, quand je devrais revenir, tu devras avoir fini là, parce que vu que le champ est coupé en deux là. Ouais. Ben, ça marche parce que. Nous, nous, on aime bien faire, c'est le jambon chez Willy. Vous comprenez, donc, ouais. Dégraissé comme ça. Ouais, des bonnes frites aussi. Hein. C'est pas à côté comme leur steak là, hein, allongé. Hein, bah, c'est ça quoi, dis, hein. leur viande de bœuf là, je sais pas tout quoi là. Regarde, j'ai été voir la ferme bovin là, sans le faire exprès, je tombais dessus, j'ai été voir un peu qu'est-ce qui ressemble à quoi. T'as pas vu nos porcs quand ils vont avoir à boire, ce que ça va donner? Ouais. Ils ont les yeux verts comme ça, leur vache. Ah, bah d'ailleurs, il faut qu'on arrête de parler d'eux, ils vont nous appeler. Ouais, ouais, ils nous appellent. Ah, allô, allô. Ah, ben, allô. Oui, allô. Ici, oui. La ferme des cochons. Là. Oui, c'est les fermiers bovins. Oui. Donc, oui, oui. Tout simplement, je voulais vous demander si vous aurez pas une charrue à nos côtés. Si, une 4 socs. 4 socs, oh putain. Ah, ouais, ouais, c'est ce qu'on s'est dit qu'on l'a acheté aussi. Oh putain. Oh putain, 4 ouais. Socs, c'est que j'ai deux champs d'au moins 30 hectares à moissonner. Donc, ah, ben, on a que ça, hein. Donc, au pire, pour pas la... Bah, tu vois, tu la prends, quoi, ça peut toujours t'aider. Ouais, attends, je vais vous... Attends, j'ai combien là? 3, je dois avoir 60 hectares au total à peu près. Ah, labourer. Monsieur, même si vous appelez l'ATA, vous payerez toujours moins cher si vous arrivez à faire un champ vous-même, hein. C'est ça, hein. Ouais,
Par contre, il faut un tracteur de combien de chevaux pour votre charrue jusqu'au Ben, c'est 25 socs par enfin 25 chevaux par un soc, donc il faut un tracteur de 100 chevaux. Que moi, je vais mettre d'autres au cul ici. Hein, donc... Ouais. Eh ben, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de finir de moissonner. Ouais. Comme j'ai le plus gros tracteur qui est sur la remorque, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de moissonner et je vous rappelle pour. Bah, si tu veux, elle est à côté de la charrue. Ouais, mais je te rappellerai si je te l'emprunte. Ouais, ça en tout cas, monsieur, on a trouvé que vous avez de belles bêtes. Ah ouais, ouais. Vous avez vu ça, on les a bien engraissées, on leur a donné plein d'aliments et tout. Ah ouais, bien de belles bêtes. Hein. Ah ouais, rien à dire. Hein. Ouais. Et là, je vais pas tarder à en vendre là. Ça. Je vais peut-être aussi en amener à un concours agricole, là, je vais voir. Ouais. Ouh, et t'as vu, Liam, ils font une maison en construction, je vais là-bas pour l'acheter. Bah, c'est celle de monsieur Jouon ici, mais il n'a pas eu le permis pour ça. Ah, ici, le patron de la TA, comme il connaît le maire de la ville, on va essayer d'arranger les choses pour qu'on puisse continuer les travaux, quoi. Ouais voilà. Et juste par titre d'information, juste comme ça fait juste une heure de vidéo, hein, juste comme ça. Ah, ça marche. Ah, mais écoutez, nous, de toute façon, on compte finir nos champs ici, donner à boire à nos animaux parce qu'ils tirent la langue, là, ils ont soif. Bah ouais, là, après, je suis parti chercher on compte aller boire un verre chez Martine. Ouais. Ok, et ben ouais, ok, et ben tu. De toute façon, je pense que quand on arrêtera la vidéo, on ira tous chez Martine, je pense. Ben, de toute façon, moi ici, mon ouvrier termine sa journée, moi je suis chercher ma cuve à eau, je donne à boire, et puis c'est bon. Bah, de toute façon, moi je finis de moissonner, on ramène tout le matériel, et puis nous on a fini notre journée, et voilà quoi, j'arrêterai pour le moment. Ah, quand même, monsieur joue à quelle coquine cette partie là. Ouais. Je vais appeler le TA pour savoir s'ils veulent venir boire un coup avec nous. Ouais, mais non, mais c'est bon, on va. Ah bah. Je vais l'appeler donc voilà. Ouais, et ben ouais, de toute façon, moi j'arrête. Ouais, je vais pas tarder à arrêter aussi. Je finis juste le champ et on ramènera les matériels hors vidéo. Ça marche. Sur la route, ça glisse hein, et il gèle. Faites gaffe, hein, ouais. Donc, ben moi je vous dis à tout à l'heure, je vous dirai quand j'ai arrêté. Ça marche. Allez, à toutes. À toutes. À l'heure, les gars. Ops. Donc je vais aller chez eux, hein, Liam. Ouais, vas-y, moi je continue à travailler pas. Bah moi je ramène la cuve à eau et puis je crois qu'on donnera à boire avant d'aller chez Martine. Ouais, patron. Moi je la ramène. Dommage qu'ils ont pas une citerne chez eux, ça me fait chier. Ouais, c'est vrai. Et ouais, j'irais bien voir jusque la ferme polyculture si je peux pas lui voler à boire. Je pense qu'il a une tonne à eau en plus. Mais ah, mais je suis gazé, vite, en plus il est pas là, aujourd'hui il est en congé donc... Donc attends, je vais aller vite voir à l'ETA parce que j'ai dit que je dois les appeler. Ouais, c'est vrai, en ce moment, lui, il ne travaille pas trop. Ouais, bah j'arrive. Ouais, vas-y, patron, vas-y. Ok. Oui. Ah, oui, allô. Oui, allô, c'était juste pour savoir, j'ai déposé le godet, donc à l'ETA, donc c'est papa pour regarder demain. Ok, pas de soucis. Donc, nous, on va voir ce qu'on peut faire de notre côté, et puis on vous tient au jus. Hein. Ouais. Par contre, ouais, en RFP, moi je finis juste de rapporter ma cuva. Oui, bah tu finis. Hein. Moi, de toute façon, je laisse la machine au champ et tout. Hein. Ouais, ça marche. Ouais. Allez, salut. Ouais. Ouais, si j'avance très vite, donc. Ah, il y a un ouvrier. Ouais, mais c'est vraiment des bras cassés chez eux. Ils n'ont plus de réseau maintenant sur l'iPhone, quoi. Je te jure. Là. Écoute, je vais vite aller voir si je peux pas piller un peu d'eau chez lui parce que là ça me tracasse tout ça. Mais vous n'avez pas été chercher à ton AO là? Bah si, je l'ai cherché, mais j'étais la chercher, mais là je suis en train de couper dans l'air. Bon, ça ils y verront du feu, mais je suis parti la chercher, mais je veux piller de l'eau chez lui. Ah, au robinet, tu veux dire? Ouais, au robinet chez eux pour pas déjà de 1 pour que ce soit plus près, et de 2 au moins je dois pas la payer, tu vois. Parce que chez nous, je crois que j'ai même pas de cuve à eau. Non, je ne sais pas. De citerne. Non, je ne sais pas si on en a. J'ai pas encore. Il faut que je la remplisse. Allô. Oui, allô. Ah, vous êtes revenu? Moi j'ai stop perso. Bah non, moi non. Continue à travailler. Ah merde, je savais pas. Excuse-moi. Monsieur, au revoir. Au revoir. Au revoir. Putain, mais c'est encore pire que des bras cassés en fait. Nous on est installé depuis 2 ans et lui je sais pas qu'est-ce qu'il faut entre le TA qui se court de trucs et lui qui vient tranquillement là. Putain de bordel.
dis pas trop qu'il y a moyen de les dépasser. Regardez, il est 15h30. Ils sont déjà partis. C'est ça, quoi. Putain. Nous, on travaille au moins jusqu'à 16, 17h. Hein. Mais ouais, c'est quoi ces connards, là, tu sais. Bon, bah écoute, moi, je suis arrivé chez lui, tu sais. En plus, il est parti en vacances. Je crois qu'il n'a plus personne chez lui. Ah. Oh, putain, déjà, à peine je rentre, on voit bien qu'il est parti en vacances. Ses choux, ils sont tous fanés, là. Putain de bordel. Non, mais ça va pas, hein. Alors. Attends, je vais chercher un robinet chez eux. Putain. Tu peux pas venir avec moi chercher un coup? Mais écoutez, je suis en train de finir le champ. Ouais, bah terminer le champ, ouais, je vais me démerder tout seul. Attendez. Il a essayé de trouver quelque chose. Au pire, chef, demande à la TIA s'il n'y a pas l'endroit. Hein. Ouais, vous avez raison. Bah ouais, c'est clair. Oui, allô? Ouais. Allô. Ouais, c'était juste un petit d'information. Vous savez pas que la ferme polyculture était partie en vacances, donc moi je suis parti vite piller de l'eau chez lui. Vous savez pas où il y a une citerne d'eau là? Je sais pas. Je suis occupé avec le ch'tailleur, il est parti en vacances, il faut autant en profiter. Hein, je crois qu'il faut aller voir en fait que vous alliez voir derrière la ferme. La ferme. Ah là, c'est la sauce à lisier. Ouais, putain, ils sont juste son lisier à côté de sa maison. Mais putain, ça pue. Il dort bien la nuit comme ça. C'est sûr. Ah, attends, c'est ici ou quoi? L'angle. Bon, par contre, je vais raccrocher hein, parce que je paye le réseau moi. Ouais, ça marche. Ouais. Ils m'ont dit au bout de la ferme, mais je trouve pas c'est où en fait. Ah, ils ne savent pas bien vous montrer. Ouais, mais c'est ce que j'ai pensé, mais bon, je regarde un peu, j'en ai profité, hein. Putain, ça me fait chier, là. Je vais aller voir à pied. Pouh là là. Attendez voir. Ah, ici, est-ce que je peux ouvrir? Ah, non, là, c'est ça, c'est chez lui. Ce n'est pas la grosse cuve qu'il nous avait dit, là, à côté de ce qu'on met nos céréales. Juste en face du... Bah, attendez, je vais lui demander qu'il nous montre. Oui, parce que vous lui dites qu'on vient d'arriver, ça ne fait que 2 ans, malheureusement. Ouais, ça marche. C'est vraiment... Oh oui, cette fois, c'est moi qui appelle, comme ça, tu payes plus le réseau. C'était juste à tes informations, ça fait 2 ans qu'on est là, donc on sait pas trop, mais tu peux venir nous montrer c'est où, s'il te plaît. Là, en fait, je suis en train de terminer votre champ, donc là, je ne peux pas me libérer. Et par contre, je voulais juste dire, j'espère que la team des fermes bovins est pas avec vous, mais là, franchement, c'est des bras cassés, ils vont déjà chez Martine, il est 15h30, il faut arrêter de temps en temps. Voilà, de toute façon, on sait très bien que c'est des bras cassés. Hein, ouais. Bon, allez, moi, je retourne avec mon équipement, parce que lui, il est encore en train de semer, lui, par contre. Hein. quelqu'un de vous peut pas se... Allez voir, s'il vous plaît, parce que moi, j'aimerais bien... Moi, j'ai tous mes ouvriers qui sont partis, là, je suis tout seul au champ. Ok, ça marche, je vais me démerder. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Et il est en train de finir mon champ, je vais pas lui dire d'arrêter, ça tombe, il est peut-être en promo, donc... Pire. Attends, je vais encore chercher. Tu finis le champ, là? Ah ouais, tu finis? Oui, oui. Quasiment à 3 allers-retours, j'ai fini. Ouais, bah ça marche, moi je suis avec le ch'tailleur et... T'en profiter, hein, tu rigoles ou quoi? Je vais lui piller tout son nom, il y a qu'à être là, celui-là, il travaille pas. Grand chien. C'est pas fort, chef. Ah, attends, voir. Non, je sens que j'ai trouvé. Non, c'est pas là, merde. Shit. Au pire, il n'y a pas un cours d'eau, ce que vous reculez dedans. Ah, ouais, pas con ça. Pas con. C'est vrai qu'on a l'eau gratos. Il aurait bien été, mais bon. Oh, j'ai des coups de lave, mon patron, pas vous. Non, bah si, de temps en temps, mais bon. Que je vais faire, je vais aller ouais au lac. Il est où ce lac là encore? Et plus, c'est ça le problème. Je sais bien qu'il y en a un, si, mais où? Attends, parce que moi, ah, il est là-bas. Est-ce que c'est un lac? Vous êtes sûr que c'est un lac? T'es sûr? Normalement, oui. Ah, ouais, normalement, moi aussi. Hein. Parce que j'en avais vu un. Moi, ouais, j'y vais. On verra bien ce que ça donne. Si je peux la remplir, c'est nickel. Vous avez vu ça, ils arrêtent déjà, allez, franchement 15h30, c'est honteux, hein, moi je dis. Même pas 4h, allez, c'est si ça, vous pouvez garder. Moi, attends de finir mon petit champ ici, ramener mon matériel. Ah, après, il faut qu'on relave le matos, et je te parie qu'il lave même pas le matos, les gros crades. Pas de laver mon petit matériel, patron, il sera 4h, hein. Bah ouais, c'est ça, quoi. Par contre, j'ai trouvé une source d'eau. Ah, donc ça vous remplit, patron?
Bah, je ne sais pas, je vais tester. Parce que moi, pour passer déjà là, il faut déjà chaud. Alors, moi, pour faire ça. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté, d'accord. On va tester, on va voir ça. Y a pas de chemin, non, t'es sérieux? Vous savez quoi, hein, chef? Rien que pour les faire chier, qu'ils vont arrêter plus tôt, on coupe à travers ça. Allez, bon, ça va, c'est un petit jeteilleur, ça va pas faire de mal. Oh, freine! C'est parti. Voilà, je remorce ma dernière bande, monsieur. Ouais, ça marche. Ben écoute, moi je remplis et puis c'est bon. Oh non, ils sont sérieux là-dedans, je peux pas remplir non plus. C'est assez bizarre quand même. Bon ben écoute, on va retourner chez nous. Hein. Et ils sont sûrs qu'il y a notre ferme ou la robinet? Ah, je ne sais pas, je vais aller leur demander. Pareil. Vous voulez que j'aille? Bah... Non, ça va, je vais aller leur demander. Ça marche? Allez-y, je vous attends. Ok. Oui. Bonjour. Moi, ça s'est pas très bien passé, problème de frappe, c'est tout. Oui, allô? Ouais. Il y a du caca dans le tuyau ici, c'est pas possible, bordel. Ouais, je pense qu'on va retourner sur Skype, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben, je suis encore en vidéo, hein, juste. C'était juste un tête d'information. Quelqu'un peut me dire si on est sûr d'avoir un robinet à eau chez nous? Normalement, ça il faut voir avec monsieur le maire. Hein. Donc, monsieur le maire, normalement je vais rendez-vous avec lui demain. Donc je vais lui en parler. Ça marche. Bon, bah écoutez, hein. Je vais lui en parler. Et de toute façon, demain je retourne continuer ton champ là. Ouais, ça marche. Parce que j'ai dû voir un autre client, donc du coup je te rappellerai ou alors je passerai pour le. Ouais, ça marche. Allez. Oui. Oui. Mais bon, ben écoute, il va voir monsieur le maire demain, il va le demander. Ok, pas de souci. Bon, moi je rentre et puis on se laissera là. Tu peux aller boire ton verre chez Martin si tu veux. Bah écoutez, là je vais nettoyer le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça marche. Je suis en face là donc. Oh, je suis toujours avec le jeteilleur, je cherche à retourner chez moi, mais bon. Le problème c'est que je me suis dégouré de route, puis on va couper ici. Hop, ça va, il y a une petite bande d'air que je peux couper. Mais je pense savoir où c'est quand vous arriverez, dites-le moi. Ah, bah j'arrive tout doucement là. J'arrive. Vous êtes à la ferme là? Oui, je nettoie le tracteur. Ah, bah ça n'a pas très l'air de se nettoyer. Ah si. Ah, parce que si c'est quand un karcher en mousse comme ils nous avaient vendu l'autre fois, c'est sûr que ça peut mal de se nettoyer. C'est parti. Voilà. Ah merde, moi je suis nouveau bourré. Ah mais non, il fallait que j'aille ici. Que, vu qu'on est enterré dans le sol, pas enterré, castré là-bas dans le fond, là, faudrait bien que. La parcelle de blé, je vais leur demander qu'ils la moissonnent parce que sinon je vais tout spotcher. C'est écrasé. Ouais, mais c'est vrai qu'ils devraient quand même moissonner leur parcelle aussi. Ouais, niveau patate, les porcs ils vont produire comme des porcs. Je vous attends parce que je vois. Bah, je suis là, moi je suis arrivé, j'arrive. Mais dès que vous êtes arrivé, vous voyez là à ma gauche, il y a une petite herne. Regardez si c'est pas ça. Une petite herne. Tonne là. Ouais, une grosse herne. Non, ça c'est pour l'essence, je crois. Bah, regardez une fois parce que moi, on m'a dit. Non, c'est pour l'essence, je peux pas. Bizarre ça. Non, c'est pour le matériel. Bah, tu vas pas me dire, il faut qu'il revoie monsieur le maire là parce que c'est pas possible. Là. Je lui ai pas vendu une. Ah! Attends, je crois que j'ai eu un robinet là. Ah! Est-ce qu'ils nous auront mis un robinet? Attends, voilà, parce que là je vois un robinet. Ah, nickel! Tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon, c'est ici, un robinet là, ils nous ont mis un robinet caché là. Voilà, patron. Bah écoute, je vais te donner à boire au bord. Et puis voilà. Ouais, je ferme l'engagement pour ne pas que le chauffage parte dans le vide là, parce que. Ah, mais.
Ça coûte cher, et sinon on cherche par dans le chauffage, le bénéfice par dans les charges, pardon. Oh oui, bah ouais. Hop, c'est parti. Oh, on va regarder à ça pour. Ouais, allez-y. Alors, et hors RP, où est-ce qu'on peut remplir les cochons? Attends, j'arrive. Les cochons, bah, c'est à côté de ce qu'on a mis les patates et Ah les ouais, légumes. c'est bon. Donc voilà, c'est bon. Hop, c'est trop. Ça marche? Ouais, ça marche. Attendez. Oh bah c'est bon, nickel. Il va avoir un... Oh, regarde la jauge! Regardez les gars, donc là au niveau haut, ah, ça va leur faire du bien, non? Tu penses pas? Ok, oui, patron. Mais En écoutez, vrai. à mon avis, une tonne à eau, ça suffit. Ah ouais? Ah bon? Plein. Ouais, là, Bon on bah a. écoute, hein, va au Karcher. Ah bah c'est bon, en fait j'ai tout mis dedans. C'est bon, Et va les au moutons, vous Karcher. avez pas fait les moutons? Non mais on fera ça la prochaine fois, parce que eux, ça va, ils ont ça avec toi. Écoutez, notez vos sous, hein. Donc vous avez combien, là, patron? Bah moi j'ai moins 803 euros. Ah ben, marquez moins 300 euros parce que j'ai 500 euros. Non mais je Ah vais si, leur dire que leur comptable il a un problème de toute façon. Ouais, mais moi j'ai 500 euros, donc des comptes télé, vous avez moins 800 euros, donc ça nous fait moins 300 euros. Ouais mais je vais aller parler tout ça. Tu peux juste ranger la mélangeuse s'il te plaît? Elle est où? Elle est à côté du Karcher. Ah oui, je la vois. Bon, je lave un peu ici. Attendez, je me suis trompé de véhicule. Ouais. J'ai pris la carte, pas trouvé. Ça va, j'ai pas accroché votre camion, votre tonneau. Nickel. Bon, maintenant avec ce bijou de tonneau, ça Ben, va y aller, patron, hein. vu que je la mets en dessous du toit, vu qu'il y a encore de la nourriture dedans pour pas qu'elle prenne l'eau. Ça marche. Mais maintenant, vu qu'on a notre tonneau, on va bien s'amuser. Je veux dire, nos porcs crèveront plus de soif, quoi. Oh, oui. Hops. Hop, je vais ranger le tracteur dans le hangar. Ben non, celui-ci, on va le laisser ici. Ouais, C'est moi, je lui le qu'on est range. plus. Le perso, la tonneau, je vais la ranger là à côté du chemin, là. Ben, Dans la... s'il faut, Ah, mais la mettez-la. petite Mettez, allée. Ah, ouais. mettez, ouais, mettez-la là, parce que j'étais moi contracteur. Mettez la Ouais, marche mais ça arrière. marche. Bah, tu peux mettre le dot ou tu peux ranger à côté des semences, là, dans l'autre hangar. Ouais, côté de la semence, c'est ici. J'aurais peut-être dû vous mettre en marche arrière, non, patron? Ouais. Comme ça, on récupère chacun de son côté Ouais, ça va, ça l'élément. marche. Comme ça, on se gêne pas en manœuvre. Ça marche. Et vous et moi, patron, on se gêne tout le temps en manœuvre. Je ne sais pas Ouais, comment c'est ça se ça, fait. tout à l'heure. On est toujours allé au même endroit, au même moment. Bizarre, hein, patron? C'est bizarre. C'est pour ça que vous êtes un ouvrier, hein. Normal, vous serez jamais ouvrier, vous imaginez, être ouvrier de à la ferme bovine ou à l'ETA. Vous êtes fou, quoi. Non, merci, patron, je préfère aller au chômage. Tu m'étonnes. Oh, c'est bon. Voilà. Voilà, Il me demande, patron. je fais quoi? Il m'appelle déjà pour aller boire un coup. Ils sont fous, c'est pas possible. Vous mettez votre tracteur ou vous le laissez là-bas, vous? Moi, je le laisse ici. Avec un Ok, donc tonneau, je comme peux ça, la refermer prochaine fois, l'hangar. on peut aller. Je vais directement au mouton. Ça marche? Ok, c'est parti, Bon, patron. ben, les amis, sur ce, j'espère que ce RP vous aura plu. On se dit à la prochaine pour le. On se dit à plus pour le deuxième épisode. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, les amis! Salut à tous et à plus, patron.